moi qui n'aime pas vacciner. Selon la salle. À l'Élysée, dans les sous-sols, snifferait des trucs par le nez. Pas comme Palmade. Anguille, 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 aérosol. Y en a qui disent que sa femme, c'est pas elle, mais elle. Une femme habite à l'Élysée avec son matériel. Il ment surtout tout le temps, rien n'est impossible, 500 milliards de dettes en plus. Faute à ses nuisibles. Et comme il n'y a plus d'argent, sauf pour l'Ukraine et les migrants, c'est la retraite à 120 ans qui tous nous attend. Il a détruit le pays, il n'y a plus d'industrie. Après l'ineptie Covid, suce à la Russie. Qui nous livre notre uranium en grande partie, mais gentil, il nous donne à crédit. Un chèque énergie. Plus de gaz, plus de pétrole, les prix de la bouffe qui s'envolent. S'il reste encore là pour 4 ans, bienvenue au Liban. Les électeurs ont fumé, qui ont voté pour ce guignol. Une pince à linge sur le nez, ils ont dans le cul, ça glisse, ça glisse. Un piquet de parasol. On viole jusqu'à nos mamies sous OQTF. On apprend à nos enfants à changer de sexe. Défendre ses belles valeurs vaut bien une guerre, même si, petit détail, presque rien. Elle sera nucléaire. Et contre les radiations, plus de doses de masques, confinement, c'est la solution que Véran donnera d'ordement. Paraît que Dupond-Moretti fait des bras d'honneur. Aurore et du saut aussi, crie ou tombe en pleurs. Le gang de la Macronie a quelques sueurs, sont plus qu'à un 49-3 de perdre la tête. T'as mal à Marlène Allot, qu'à la fin elle se casse, c'est tout bête, car de guillotelle la machine sera bientôt prête. Un faquin pas vacciné, à l'Élysée dans les sous-sols, snifferait des trucs par le nez. On guise,